Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur ce stream tout pourri pour du Metal Gear Solid 5. Et bonsoir Crackbull, oui, bienvenue à toi, on entend les lits. Évidemment, avec la petite tranche de Snake bien ensanglantée. Alors Mumble, la dernière fois, en fait, ne faisait pas un bruit étrange. C'est quand je parlais. Le temps que ça passe, que le son de Mumble en fait envoie à l'ordi, à ton ordi, du coup ton ordi baissait le son du jeu automatiquement. Il est réglé par rapport à ma voix. Donc à chaque fois que je parlais en fait, le son du jeu, avec un petit décalage, était baissé. Bonsoir Chicken, bienvenue. J'espère que ça va bien. Voilà, voilà. Donc oui, on va se lancer dans le RS et je pense que je vais un petit peu bourrer l'émission principale histoire d'avancer un peu. Après on fera peut-être quand même quelques missions secondaires histoire d'eux, mais ça me paraît pas trop mal d'avancer la trame principale. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ah oui, alors aussi aujourd'hui, du moins cet après-midi. Ah, toi t'as bien avancé, Crackbull. Ah, bah j'espère que. Est-ce que c'est cool sans aller. Là, peut-être sans spoiler plus, parce que c'était. Cool. Les mouches, ouais. Il y a des petites mouchettes. Attendez, si je le mets sur un fond. Donc hein, on voit les mouches, hein. Bah, malgré la qualité un petit peu pourrave de mon 480p de la misère. Ah, et on a reçu de nouvelles récompenses. Des ressources biologiques du PIN. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, par contre, je ne sais toujours pas ce que c'est. Bonus du jour accepté. Des jetons Motherbase. Absolument pas. Que c'est. Bon, on verra. Je crois que j'avais fait un petit tour dans le recherche et développement hier. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. D'autre à développer, quoique. Ouais, prenant mais pas aussi narratif. Ah, ce sont les jetons pour le mode online, d'accord. Ouais, c'est ce que. Comment dirais-je. Ça m'étonne pas en fait. Je pense que le côté monde ouvert implique d'avoir une narration beaucoup plus fragmentée en fait. Beaucoup moins linéaire. Alors est-ce que si on bourre que l'émission principale ça reste bien, j'en sais rien en fait. Je ne sais point. Là je suis à la Mother Base. Ressources. Ah, on commence à voir, on a donc c'est la principale. Ah oui, d'ailleurs, on voit, il y a 23 soldats qui sont en attente. Oui, on en est où des constructions, d'ailleurs. Encore 30 minutes pour la plateforme de soutien, 1h24 pour la deuxième plateforme de R&D. Oula. Oula, ma bonne dame, ça lag un peu. Et il me manque des réserves de carburant, faudrait que je trouve des réserves de carburant pour faire une petite plateforme de renseignement. Ouais, les missions principales sont tournées open world, d'accord. Bon, en même temps, ça me paraît logique. Et du coup, c'est vrai que par exemple, quand on prend la liste des missions, quand on prend les premières, bon, certes, il y a le prologue. Il y a celle-ci où on doit sauver Miller. Après, ces trois-là, en fait, les trois du milieu, elles avancent pas vraiment l'histoire. On récupère un scientifique pour le bras. Ici, qu'est-ce que c'était? Je sais même plus ce que c'est ici. Bref. Bonsoir, Ichilu Maru.
Comment vas-tu? Le carbu, cette saloperie, c'est ça. Ouais, hormis les cinématiques, pas de narration. Moi, j'ai trouvé que les cassettes aidaient un peu pour la narration. Enfin, ça nous apprenait quelques petits trucs. Mais en dehors de ça, oui. Ouais, même dans l'émission, oui, je vois ce que tu veux dire, quoi. Dans l'émission, c'est pas comme dans les anciens MGS, ou même pendant le gameplay, on pouvait avoir une petite avancée de l'histoire, etc., etc. Sinon, la forme, Ichi, oui, mais la forme, j'espère que toi aussi. Alors, ce super Mario Maker. Oui, parce que. Si vous avez suivi le Twitter, ou si vous étiez sur le stream d'Oli tout à l'heure, il se trouve. De temps. Juste écouter le briefing. Contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between three Soviet commanders running key units in the region. The location is Viala Village. This information comes from a mole planted within the Soviet's Arab support organization. The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the three pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Ah bah oui, on va essayer de les récupérer. Je vais accepter cette mission. Donc, oui, les cassettes, bah en fait, les cassettes, concrètement, ce que je fais, qu'est-ce que... Ah oui, danger élevé, on peut débarquer directement, en fait. Genre, rien à foutre. Et casser ta gueule. Alors par contre, attendez. Parce que ils sont où? Ah oui, d'accord, ok. The gorillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. Ouais, les cassettes, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fin de stream sur MGS, je lis celles qui sont en cours. Ah oui, d'ailleurs, Ichi. Donc du coup, Ichi, j'ai lu ton message, j'y ai pas répondu parce que j'ai un petit peu, cet après-midi, passé du temps. Sur Mario Maker, donc voilà, revenons à Mario Maker. Et autant vous dire que je pense que ça va être très 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 sympathique, très très bon et très très sympathique. Je pense aussi est-ce que j'y vais? Ah, j'y vais de jour, allez. Histoire de reconnaître d'abord. Donc Mario Maker, que je ne vais pas streamer, je pense, avant vendredi, mais c'est pas bien grave, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on commence le jeu avec une barre d'outils simple pour créer ses niveaux, et chaque jour, on en débloque une nouvelle, c'est-à-dire une barre d'outils, c'est environ 12 éléments différents. Qui permet de construire des niveaux comme on le souhaite. Et donc, chaque jour, enfin, dans le jeu, on débloque une nouvelle barre, donc 12 nouveaux objets. Ce qui fait que d'ici vendredi, théoriquement, j'aurai 4 barres d'outils, donc a priori, ça sera déjà mieux que une simple barre qui permet de faire déjà des niveaux très sympathiques. Mais du coup, on aura plus de choses et ensuite il y aura aussi les niveaux à découvrir. Sachant que, en plus, en ce moment, les serveurs Nintendo pour tout ce qui est online n'est pas lancé. Je pense qu'ils le font vendredi. Donc on ne peut pas publier les niveaux qu'on fait, on ne peut pas en récupérer d'autres. Donc on se retrouve vraiment avec le jeu en solo, en sachant qu'il y a déjà, a priori, je crois, 17 mondes. De 4 niveaux, donc 17 fois 4 niveaux
quelque chose comme ça, en offline, à débloquer. Il faut les jouer. Faire ce qu'ils appellent le Divi, Mario Divi, un truc comme ça. Où on a Divi pour terminer 8 niveaux, c'est-à-dire 2 mondes. Et donc, a priori, pour réussir tout ça, il faut. Il faut faire plusieurs fois le fameux Mario Divi. Ensuite, il y a, je crois, un Mario sans vie aussi, histoire d'aller encore plus loin. Et quoi d'autre, quoi d'autre. Donc voilà, grosso modo, j'y jouerai encore offline, histoire de faire quelques niveaux en plus. Mais mon premier ressenti aussi, après une petite journée de jeu, enfin une fin d'après-midi dessus, ben c'est que ça s'annonce très bien, quoi. Hein. Si vous aimez Mario, je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Si vous aimez Mario, il y a à peu près une chance sur une que le jeu vous plaise. Bon, après, si vous n'aimez pas Mario, et a fortiori les Mario en 2D, bon. C'est pas la peine, quoi. Mais on peut pas dire que le jeu vous mente. Le titre est assez clair et très honnête. Mais la construction de niveau est hyper intuitive. Je pense pas qu'on puisse faire mieux en termes d'ergonomie, puisque tout se fait au stylet. C'est juste un petit plaisir de faire ses propres niveaux selon son bon vouloir, tester à la volée, changer à la volée tout ce qu'on veut. C'est fluide, ça va très vite. Et c'est parfait. On a quand même une très très grande liberté dans ce qu'on peut faire. Donc 99 chances sur une. Mais ouais, en plus, il y a vraiment c'est Nintendo, ça m'étonne pas, mais il y a vraiment un respect, on va dire, des matériaux d'origine, que ce soit les quatre environnements. Ils gardent tous leur identité propre. Le Mario original, le Super Mario Bros. 3 avec le P-Speed, la transformation en raton laveur, quoi d'autre, Super Mario World avec ses graphismes, le fait de pouvoir tourner la cape, et New Super Mario Bros. Wii U, enfin New Super Mario Bros. U avec le fait de pouvoir faire des wall jumps, la physique un peu plus en 3D. Enfin, voilà. C'est vraiment, il y a du très très bon travail. Ça respire bon la nostalgie, mais la bonne nostalgie, quoi. En plus, c'est marrant. Donc, du coup, j'ai fait une fois le Mario Divi, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, et du coup je ne vais probablement pas en faire d'autres, et je le ferai après en stream tous les autres, pour le découvrir en fait avec vous, enfin pour le découvrir en tout cas en direct avec vous. Ça me paraît quand même mieux. Lui j'aimerais bien le récupérer en fait, très, très sincèrement. Le problème, c'est lui. Oh merde, j'ai loupé.
Et mais salut Grimace, bienvenue. Et donc sinon, est-ce que je connais jouer à Minecraft? J'ai énormément joué à Minecraft par le passé. Surtout à l'époque, moi j'y jouais à l'époque de la bêta, même de l'alpha, je crois. Mais ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'y jouer aussi. Quoi de neuf, Grimace? Comment vas-tu? Comment vas-tu depuis tout à l'heure? On va attendre sagement. Voilà. Ciel nuageux dans vos parages. Ok Itchy, des bisous à plus. Et oui, donc Itchy, oui, du coup j'ai eu ton. J'ai lu ton message et tout, et du coup je n'y ai pas répondu parce que j'ai un petit peu passé mon après-midi sur Mario Maker, mais ne t'inquiète pas, j'y répondrai. Hein. Zéro souci. Ah, 1500 plus sur Mario Kart, GG, le début de la gloire. A réussi à t'y faire un petit peu plus au niveau, etc. Bonsoir Silitix, bienvenue. Bon, je vais essayer de pas faire de la merde. En fait, je me demande même. Vraiment ce petit connard qui m'avait vu. Ouais, GG, hein, 1500. C'est bien, c'est bien. Bientôt. Bientôt un gros niveau sur Mario Kart, ça va être cool. Non, là je fais une des missions principales. Hier en fait, j'ai un petit peu avancé l'histoire. J'ai décidé d'un petit peu bourrer les. La quête principale, on va dire. En allant récupérer le Honey Bee et en rencontrant, je sais plus, c'est Skullface, je crois qu'il l'appelle. Visiblement, l'ennemi principal de ce jeu, en tout cas actuellement, celui qui, a priori, pourrait être considéré comme le grand méchant. Ainsi que, encore une fois, Psychomantis, enfin, en tout cas, ce qui. Le jeune homme qui semble être Psychomantis. Tu cherches un jeu sur PC, tu ne sais pas à quoi jouer. Bah écoute, pour troller, je te dirais bien essayer de jouer à MGS5, mais bon. Quelque chose me dit que. Quoi, toi? Toi, t'es pourri. Doucement mon gars. Piouf. Bébé, allez, je prends. C'est vrai que c'est quand même plus pratique en fait. Je dois avouer. Allez, hop. A plus, chicken, des bisous. Ah là là, wow. Ça fait tellement longtemps, wow. Allez donc, je t'ai un petit peu refait la face, quoi. Je
t'es un petit peu refait la face. Ici, on a quelque chose. Est-ce que je louperai pas des trucs aussi par là? Bon, ça, info map mise à jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, est-ce qu'on peut monter à ça? On peut pas. Oh, zéro jeu quand même. J'exagère un petit peu. Mad Max ne te tente pas non plus, par exemple. En fait, les ressources reviennent quand même, hein, au bout d'un moment. Je ne sais pas quel est le... comment ça fonctionne, mais les ressources des camps finissent par repopper. Ah, ça, j'avoue, du MMO solo. C'est pas... non plus mon trip, hein. C'est là où théoriquement il y a du matos. Il est où le matos? Ah, il est sur le toit? Non. Alors? Faire. Merde. Moi je veux les trucs, moi je veux le loot. À moins que je l'ai déjà pris. Ah non, en fait lui il est déjà pris. Ah par contre, carotte noire. Vite, vite. En jeu multi exclusivement, j'avoue que je sais pas trop. Là, là, j'avoue que je sais pas trop. Mais moult jeux, certes en solo, mais. Mais après en multi tu cherches quoi? C'est-à-dire que tu cherches par exemple un MMO absolument ou par exemple un multi style FPS, multi Battlefield, Code ou autre. Parce qu'en fait multi après c'est vaste aussi, hein, peut y avoir. Hein. Il y a moult jeux différents en multi. Voilà. Ma main a été upgrade. Ça veut dire qu'il y en a aussi ici en fait. Waouh! Atta! Recherche et développement, on a débloqué des trucs. Zizi Copter. Et bonsoir, Trim, bonsoir Samink. Pas de soucis, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Le bouclier? Attendez, il y a un truc, je crois, où on a les messages. C'est où qu'on a les messages?
dans l'émission. Journal, je crois. ALM 48, grenade étourdissante, cage de capture. Grenade étourdissante ? Diantre ! Please specify a project. Jouer avec des gens de manière régulière. Ah ! Ben, moi déjà j'ai envie de dire, enfin, si Mario Kart rentre dans ta. Dans cette optique-là, moi je vais continuer à y jouer régulièrement, je pense. Hein, Mario Kart, c'est un petit peu mon jeu de la vie quand même. Même s'il y aura d'autres jeux entre temps. Mais. Ah, mais ça demande des ressources de carburant. Mais du coup, oui. Après, certes, peut-être pas tous les soirs. J'avoue. Oh mon dieu, on peut développer une putain de mitrailleuse. Moi, encore une fois, je vous aurais bien proposé du Splatoon. Si ma connexion me le permettait. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Enemy presence detected. The map has been updated. Mais c'est quoi tous ces trucs qui sont mis à jour, quoi? Waouh, qu'est-ce que c'est tout ça? Ah d'accord, c'est ça le fameux truc de renseignement. Il m'indique où sont à peu près les ennemis. D'accord. Alors attendez, il faut que je trouve un endroit où me caler en hauteur. On va y aller par là, ça me paraît bien. Ouais, je sais que je fais chier avec ma connexion LOL, mais alors rassure-toi, ça me fait encore plus chier que pour toi. Je t'assure. Heroes of the Storm, ah bah oui. Ah mais oui, à chaque fois j'y dis, on va en refaire. Mais oui, on va en refaire, je vous promets. On va se trouver une soirée. Tiens, bah, peut-être demain. Je réfléchis, mais après tout. Pourquoi pas demain soir, a priori, ça devrait peut-être le faire. Parce que sinon, dans 3 mois, on va encore en parler, quoi. De cette histoire. Ok, j'ai une petite vue de haut. Ah, FF10, le remaster, je suppose. Mais on est déjà venu dans cette zone. Oh bordel. On y revient. Bon, ils sont où les méchants? Où sont nos amis? Analysis complete. Déjà. Ah oui, d'accord, il est là, lui. Alors, ça serait quand même bien de pouvoir les extraire. Avouez. Analysis complete. En fait, ce qui est pratique de jour, c'est que du coup, on repère aussi beaucoup mieux les ennemis de loin pour les marquer. Oh, t'es un peu vénère, toi. B, C, 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 C. Analysis complete. Analysis complete. Il y a l'air d'y avoir du beau monde. Moi, j'avais beaucoup aimé le 12. Que j'avais fait en jap chez un ami. Analysis complete. Et si j'ai bien compris, ils vont faire une HD re-edition du 12, donc je suis intéressé, surtout s'ils sont sur PC, évidemment.
Et oui, bonsoir Spike aussi, pardon. Oh là là. Je suis désolé, je crois que j'ai même pas dit bonjour. J'ai même pas dit bonsoir. Yes, oui, désolé. Bon. On commence déjà à avoir un petit peu des gens marqués. C'est Dédé, c'est lui, hein. C'est lui qui est bien. Là. Non, c'est pas lui. Merde, il est où? Il est où ce con? Il est là. Il est là, ce con. Ah non, mais le 12 n'a certainement pas besoin d'une réédition HD, mais ils vont le faire. Hein. C'est à peu près officiel. Là, ça m'étonne qu'il n'y ait personne par là, en fait. J'ai l'impression que si je fonce comme un bœuf, je vais me faire gauler. Je sais pas pourquoi, je le sens mal. Je la sens mal, cette histoire. Du coup, je vais un petit peu bouger, histoire d'avoir un autre angle de vue. Là, ça a l'air mort de chez mort. Hein. Franchement. Le bruit des petites bouches qui tournent autour de Snake. C'est tellement propre. Ça, je crois que je l'ai jamais fait. Ce dont vous parlez, donc quelque part, j'ai peut-être gardé. Je suis peut-être innocent de ce point-là, ce point de vue-là. Et c'est peut-être pas plus mal, ce que j'en comprends. Ça a l'air. Ça a pas l'air très rigolo, en fait. Bon, allez, j'y vais. Pas le temps, faut y aller. Est-ce que ça veut dire que là, j'ai loupé encore un ennemi, en fait? Parce que tous les cercles rouges ont disparu, sauf un. Carotte. Qui n'en veut de la carotte? Et puis j'y vais de jour, hein. Bon. Je veux dire. Je suis pas à ça près, quoi. Tout ça pour une carotte, hein. Une belle petite carotte juste ici. Ah oui, d'accord, c'est l'équipe de renseignement qui me l'indique. Ok. Ah oui, elle est bien cette équipe, en fait. Le cercle rouge, c'est qu'il y en a un que j'ai pas marqué, c'est bien ça, d'accord, merci. Ça confirme ce que je soupçonnais. Donc en fait, j'ai quasiment marqué tout le monde. Ah oui, merde! Il y a eu un. Quoi? Je me suis pas fait voir quand même. Si? Non. Donc je pense qu'en fait il y en a un dans la baraque. Avec. Avec le mec à extraire. Les deux risquent d'être un poil pète couille. Si vous me permettez l'expression. On s'appelle. Plant expansion complete. Ok. Un des trucs, une des constructions a été terminée. D'accord, en fait, maintenant, quand on passe à proximité d'une plante, il nous l'indique.
Ouais, roulons-nous un petit peu dans la boue, hein. Je me demande si ça vire le sang, tiens, de la combi. Ah bah oui. Ah non, mais ça c'est pas attention, c'est bien ça en fait. Non, ça vire pas le sang. Le FF15, je dois avouer que je suis... je sais pas. J'ai jamais joué au 13. Il y a quand même eu, je crois qu'on peut le dire, une mauvaise presse. Enfin, qui a pas franchement convaincu les gens. Quoi, mon coco? CCDD. Le viseur. Oui, oui, il y en a qui, probablement qui râlent sans avoir testé. Hein. Ok, alors ça, j'avais déjà vu que, oui, on, même sans l'équipe, le truc d'intelligence, on voyait ce qu'on avait déjà pris, et de temps en temps, il se rallumait, genre, oh, ça y est, le truc est revenu. Oh merde, hein, 40%, tu vas te démerder. Hein. Je crois en toi, hein, mec. Me déçois pas. Bon bah t'as bon bah tant pis. Voilà, tu as loupé ta vie finalement. Ok, bon, on est arrivé au point. C'est-à-dire que est-ce que de là, donc là je dois être vraiment, voilà, je suis pile poil là, ou alors c'est un qui est juste à côté en fait. Genre juste là. Attendez, je vais m'approcher doucement. Est-ce qu'il y a moyen que je le vois? Pas sûr. Oh putain, par contre lui je l'avais pas vu, mais... Genre, si tu pouvais crever, en fait... Je vais voir, t'es quoi? Oh, bah, t'es une merde. Il faut vraiment pas que je me loupe. C'est super important. Ah oui, à toi je te veux. À toi je te veux.
Merde, du coup, l'autre il est. Merde. Merde. Serpent solide nu entre chaque kill, c'est à peu près ça. Non mais en fait le truc c'est que j'ai remarqué que de temps à autre j'essayais d'aller trop vite en fait. Et du coup je loupais mon kill et du coup enfin je loupais mon headshot et du coup après les gens les adversaires les ennemis étaient un petit peu sur les nerfs. Genre ça leur plaisait pas de se faire Il m'a pas vu. Il m'a juste pas vu en fait. Ok, donc en fait il m'a oublié. Ça va être embêtant cette affaire, cette histoire, ma bonne dame. Comment qu'est-ce que je vais faire en fait? Genre si je le rendors une nouvelle fois, ça va pas le faire. L'autre il va encore entendre. Bon, ça va créer des tensions, tout ça, tout ça. Merci Grimace, merci. Bon voilà, du coup j'ai loupé mon truc et du coup ils sont tous vénères et ils m'en veulent et Et c'est la merde. Bon du coup quand même ils laissent leurs potes, ça me fait plaisir. Heureusement qu'ils n'arrivent pas à monter sur les toits. Il me reste combien de mon silencieux? Pas grand chose. L'heure du crime. C'est parti.
Il est où l'autre? Merde, ils sont... Non, il est où? Mais allez, il est où? Ils étaient deux. Il est... Ah mais, et il est là? C'est lui? C'est lui, Cuyuno del Mondo? Ah oui, c'est lui. Hop, bouge pas. Voilà, bouge pas. Ouais, ça part l'attaque. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Quoi? Merde. Merde, j'ai tué le... J'ai... Merde. Putain, le con. Ah mais non. Mais lui, c'est aussi un qu'il faut... Oh, merde. Oui, oui, bah vas-y, va voir ton pote, oui. Voilà. Ben voilà, c'est ça. En fait, ils étaient deux, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok, quoi? Et... Oh, mais tu sers à rien. Voilà. Tu sers à que dalle. Vas-y, parle toi. C'est pas trop mal, quoi. Ouais, vas-y, viens voir, mec. Viens voir, je t'assure, ça va bien se passer. Vas-y, vas-y, oui, c'est ça, ouais. Oui. Bon, de toute façon, tu me diras rien, donc fais le dodo, mon petit frère, vas-y. Alors ça, c'est plus, voilà, c'est plus Craigboule qui pourra te répondre que moi. Parce que... Ça, je veux, par contre. Ça, je veux grandement, en fait. Ah, je crois, attendez, je crois que j'ai suffisamment de carbu. Pour lancer un truc, mais je vais quand même récupérer ce qu'il y a ici. Voilà. Commencing platform construction. Voilà. Petite plateforme de renseignement, ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, bon, on va finir de récupérer tout ce qu'il y a ici. C'est quoi ça? Quoi ça? Poubelle. Ah oui, d'accord, oui, on peut se cacher dans les poubelles, c'est vrai. Putain, je l'oublie à chaque fois, c'est de ça. À chaque fois, je l'oublie. Voilà, là, en plus des diamants, quoi. Ah non, un plomb. Bouclier BP obtenu. Classe. Ok.
À boule le pognon. À boule le pognon. Et le reste, c'est juste à côté. Ok. Oh, alors c'est juste là, puis on n'y voit rien, quoi. Ah oui, c'est là. Oh, il y a quand même encore des trucs. Il y a tout de même encore des trucs. Ah, mais ça doit être à l'étage. Sauve les ânes afghans. Ah, mais il faudrait. Je ne sais même pas où sont les... Je me suis pas trop occupé encore des animaux, hein. Notez-le bien. Ah, et leur truc de communication reste pété une fois qu'on les a pétés. Alors c'est peut-être au C4. Il faut peut-être péter les trucs de communication au C4, ce genre de truc. Peut-être que là, ça fonctionne mieux, en fait. Ben non, c'est en bas. J'en ai loupé un. Ah ben oui, d'accord. Sur la table. Quel con. Bon, et donc maintenant... Maintenant, ah ben déjà, on va passer par ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que... Non. Pourquoi? Putain, le con. Non, mais... Bon, ben, écoutez, on va équiper l'ennemi, je pense que c'est plutôt pas mal. Je veux dire, c'est réglo, quoi. Bonne soirée Celtix, bonne nuit à toi. Oh bah c'est une soirée bien chargée, Grimace. Pas de quoi s'ennuyer en fait. Pourquoi je pars dans le mauvais sens? Eh bien c'est une bonne question. Il s'est mis j'ai pas compris. Il dit qu'il a pas compris. Mais il dit que c'est pas grave. Il dit qu'il a pas compris, mais il dit que c'est pas grave. Petit dodo avec un petit, après un petit whisky, toujours bien. De l'absinthe, ah bah oui, de l'absinthe, pourquoi pas, on en a besoin à chaque fois pour le cigare. Oh, le ravito, il peut attendre. Hein. Alors qu'il y a quelque chose qui est en train de charger ou de je sais pas quoi. Quoi, c'est un mouton? Personnel avec nouvelles compétences recrutées. Eh bien, j'en suis fort aise. Ah. Visiblement, le drop est arrivé. Approaching.
Bah alors, y a personne? Ils sont où? Ils y vont. Ah, nous avons 4 ennemis a priori. Pas mal du tout cette petite équipe de renseignement. Hein. Y a du niveau. Y a un bon niveau. Ok. Le problème, étant aussi que je n'ai plus de silencieux sur mon gros flingue, donc il va falloir pas trop faire le con. Et le dernier là. Analysis complete. Il y en a un qui va dormir. Bonne idée. Tu regardes dans la mauvaise direction, mon gars. Je vais me tromper à un moment crucial avec toutes ces commandes. Je le sens venir gros comme une maison. Oui, c'est vrai qu'avec le ralenti, on peut y aller YOLO, c'est vrai. Mais je pense que le jour où je pourrais y jouer sur mon propre PC sans le petit délai dans les commandes, je virerai le ralenti parce que c'est quand même plus rigolo. Genre de petit désagrément. J'y vois que dalle. Oh non. Non mais c'est pas drôle. Et bonsoir Topher Joy, bienvenue. Mais non, mais ouais, c'est vrai qu'avec le réflexe on peut y aller, mais quand même. Quoique. Ah putain, attendez. Oh non. Oh non, regardez. Regardez où ça a été drop. Je suis fatigué, hein, je vous le dis, je suis fatigué là. Quoi de neuf, Topher Joy? Oh merde. Voilà, tu m'as pas vu.
Allez, remonte un petit peu. Parfait. Alors, c'était lesquels qui étaient bien? Ah, lui, il est pas mal. Ah, bah parfait! Après, bah, ça donnait quoi? Toi, t'es tout pourri. Désolé. Désolé, mec. La dure la jungle. Toi, t'es quoi, toi? DDE. Oh là 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 là. Si, je suis censé faire une mission principale. Bonjour, bonsoir, Nizar la merguez. Bienvenue. Si, je suis censé faire une mission principale, hein, mais bon. C'est sur ma route. Oh! Merci, mec. Merci. Merci beaucoup. C'est... Allez, je suis gentil. Putain, mais comment je vais faire pour la récupérer, Sam? Bordel de merde. Bordel de fion. Est-ce que je peux leur tirer dessus? Genre pour les faire tomber. J'ai réussi cet exploit quand même. Ça doit bien faire la deuxième fois que j'arrive à flinguer un ravitaillement parce que je suis complètement débile. Ça me fait plaisir. Oui, j'avoue, hein, Spike, j'avoue. Merci Crémboule aussi pour le GG. Bon, bah, du coup, tant pis. Hein. Ah, il y a de l'estragon. Et oui, c'était sur la tente. C'est ça qui est beau. Alors, je joue sur PC, oui. Enfin, pas mon PC. C'est un peu... C'est technique, mais c'est pas le mien. Mais c'est sur PC. Ah oui. Coucou, White Shadow. Bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. Ouais, mais merci, Crackbull. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais ça, c'est... Ça, si vous voulez, c'est... C'est là où je brille, finalement. Parce qu'il me reste plus que... Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Franchement. Et il est où le prisonnier, là, le fameux prisonnier? Merde, ici? Oh, allez, c'est bien parce que c'est vous, les mecs. Hein. Merci, Nizar. Merci beaucoup pour le follow. Oh là là, en plus, il y a du monde sur la route. Faudrait passer par là. Remonter. Ah oui, merde, il y en avait encore ici. Ah, il y a que des plantes dans le coin, hein, c'est ouf. Oh non, mais en plus, c'est là où il y avait Miller.
Oh là là, oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Marker placed. Marker placed. Il ne les a pas marqués, hein. On est d'accord. On est d'accord qu'il s'est foutu de ma gueule. Marker removed. Marker placed. Marker placed. Marker removed. Marker placed. Très étrange. Très étrange cette affaire, pardon. Oh là là là. Non mais il va falloir que je fasse un drop de supply à nouveau. Hein. Mais c'est pas les missions secondaires, si. C'est des missions. C'est des trucs optionnels de la mission principale, je pense, non? Les deux prisonniers, j'imagine. Comment ça, je me suis fait voir? Par qui? Où ça? Comment? Qui m'a vu? Personne ici. Mais ils ont où? Bon. On va dire, voilà, GC. Je crois que c'est le mot juste, GC. Je crois que l'essai est en général infructueux. Mais ça, faut le dire vite, évidemment. Oh non, il faut que je retourne dans cette putain de base. Une blague. Oh merde. Merde. Ils y vont, ils sont où? J'aime. C'est un peu trop beaucoup calme, je trouve. J'aime pas trop beaucoup ça. Voilà, c'est ça. C'est arrivant au flat. Non mais je me suis quand même un petit peu amélioré. Enfin, je veux dire, comparé à la première fois, non? Un petit peu. J'ai appris de mes erreurs. Non mais sérieux, ça me stresse. Ils sont où? Pourquoi il est tout seul? Pourquoi j'ai l'impression qu'on va me la mettre à l'envers? Merde. C'est quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a vraiment... Oula. Il y a vraiment personne en fait?
J'ai vu, je prends. En fait, c'est encore plus stressant quand il n'y a pas d'ennemis. On se pose encore plus de questions. Est-ce que je peux monter par là? Oh, t'es tout pourri, toi. T'es tout pérave. De l'absinthe. Non, c'est ridicule, Snake. C'est ridicule. Reprends-toi, tu es un guerrier. Tu es un grand guerrier, ne l'oublie pas. Ne te fais pas vaincre par une petite marche. Bonsoir Rodin, bienvenue. Ah d'accord, c'est ça, en fait c'est moi qui psychote pour rien. Ils sont tous là en fait. Voilà. C'est ça, c'est là où ça va devenir la merde en fait. C'est là où ça va devenir la merde. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Ok. Alors les deux là, lui. Et le spécialiste, il me les faut. Il y a juste zéro embrouille, il me les faut vivants. Essayer de continuer à monter par là. Est-ce que je peux aller tout en haut? Ou est-ce que le jeu me dit non? Je suis assez monté. Sois un homme, porte tes roubignoles et avance. Comme un aigle. Ah, GG Rodin. Même si je ne connais pas, je connais mal ce jeu, je dois avouer. Moi j'ai tout. Quand je suis en hauteur comme ça, j'ai toujours envie d'envoyer un petit tir de sniper par contre. Il y a encore un ennemi qu'on n'a pas marqué ici. Soupçonne fortement d'être dans une des baraques. Et le jour va bientôt se lever, faudrait que je me grouille en fait. Aussi. Analysis complete. Je ne peux trouver. C'est toi que je veux.
une ronde, non. Là. Je croyais qu'il s'était arrêté, mais en fait, non. Ouais, il fait une ronde. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement. La nuit. Ah oui, le CQC, c'est vrai. Oh là là. Le CQC. Je suis la nuit. La nuit, moi. Non, c'est pas toi. Putain, t'es où, mec? Ok, on l'a retrouvé. Non, s'il te plaît. C'est cool. Allez, salut. Ah, ouf. Mes genoux sont sales, c'est exactement ça, Grimace. Exactement ça. Ah, je sais que mon camo est pas bien pour la mission, mais bon. Je suis plus à ça près, vous savez. De toute façon, là, mon camo, hein. Dans pas très longtemps, on peut l'oublier. Oh merde. Quoi ? Je l'ai loupé ?
J'ai réussi cet exploit, je l'ai loupé. Les jours se lèvent. Sweetie the sweet. Ah oui, quand ils vont avoir des des casques, j'avoue. Bon, tant pis, on va tous les Fulton. C'est le moyen le plus simple de s'en débarrasser, en fait. Franchement, on va pas prendre de risques. Oh merde, il vient ici, lui. Oh, mais c'est bon, ça. En fait, il y aurait peut-être presque juste à l'attendre. On pourrait s'en tirer sans s'occuper des autres. Ah ouais, c'est ça, je perds mon temps, ouais. Salut, mec. Oh merde. Mizu qui joue à Isaac. What the fuck is this? Ok, donc on en a un qui est vénère. Tout pourri, mec. Allez, si t'as de la chance, tu t'en sors. Putain, génial. Le bon. Énorme. Ah non, pas bon. Pas bon, par contre, les deux autres. Ok, ça c'est fait. Et bonsoir Phénixien, bienvenue. C'est tout pourri, mais écoute. Ouais, c'est ça, vas-y, viens. Oh non, merde. J'ai appelé des potes. Mais oui, bien sûr que tu viens voir. Vas-y, viens. Ben non, mais qu'est-ce que tu fais? Merde, mais où il va? Il va où, ce con? Serpent solide entre en action.
C'est une mission principale, mais qui, je pense, ne fera pas avancer l'histoire en tant que telle. A priori, pas de spoil. Probable. Voyage mec. Numéro 7 si je dis pas de bêtises. Oui mais alors là non. C'est là où il faut que j'aille chercher... Alors déjà lui. Lui ça donne quoi en fait ? 10 mois, dis-moi si ça vaut le coup de te sauver. Non. Désolé, mec. Désolé, c'est rien de personnel. On échange un sniper pour un sniper. C'est pas super intéressant, par contre, nous avons ici des matériaux raffinés. Allons-y. Oui, c'est ça, cuivre rouge. C'est exactement ça. C'est quoi ça? Est-ce que ça se détruit? J'ai envie de savoir. Ouais, merci le jeu, merci. Ça fait rien. Ça fait strictement rien. Je crois pas qu'il y ait d'autres objectifs ici à détruire. Ouais, j'ai fait beaucoup de missions secondaires aussi au début. Et avant de me dire que quand même, j'en faisais peut-être trop. Ah, le truc qui brille de loin. Ça déconne zéro quoi. Par contre, ouais, il va me falloir. Ah, c'est ça le fameux trou. Il me semble que c'est dans la mission où on va chercher le prisonnier soviétique. Il me semble qu'il parle d'un trou dans lequel on peut l'extraire. Donc c'est en fait c'est lui. Ici précisément on peut l'extraire sans passer par les toits, etc. Ok. Oh bordel du des réserves de carburant. Parfait. Il dit que c'est parfait. Il dit que ça lui convient. Donc ok, ouais. Le prisonnier est là, en fait, il faut sortir, tourner et aller ici. On se trouve pile poil en dessous. La drogue, c'est pas bien.
J'avoue. Non, mais c'est là où je vais faire mon vrai ravitaillement. Et attendez. Merde, j'en ai encore oublié. Tiens, on fiche, toi. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ici on peut arrêter toutes les lumières du complexe. C'est plutôt cool. Bon, en tout cas, on va récupérer un petit peu tout ça, paf, des silencieux, des Fulton et tout le bordel. On va prendre la Jeep et on va aller essayer de sauver les deux prisonniers. Ça me paraît un plan catastrophiquement nul parce que je vais probablement louper, mais j'y crois à mort. Attends. Déjà, tu t'arrêtes. De quel véhicule parle-t-il ? De quel véhicule a-t-il parlé ? Eh bien, nous ne le saurons pas. Ah merde, du coup, attendez, non. Si, théoriquement, je peux continuer par là. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par ce camp-là. Ensuite, nos deux amis. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ouais, voilà, c'est un objectif optionnel, l'extraire par là, le faire passer par le petit trou. On est d'accord, il n'y a personne ici. Hein, je peux y aller. Voilà. NP, on dit, dans le milieu. Oh merde! Oh non! Oh bon, bah tant pis. Je peux pas prendre la tourelle encore. 0% en fait. Ah sérieusement, si on se barre avec le véhicule, on le capture? Franchement. Pardon. Franchement, c'est pas si mauvais, y a pas un seul truc négatif. Précision de 67,50%, s'il vous plaît. Bon, j'ai un peu abusé sur le soutien, mais en dehors de ça, on est sur quelque chose d'honnête. Donc oui, pour la tourelle, il faudra que j'atteigne le Fulton niveau 2. Et à ce moment-là, je pourrai.
pour l'instant, je ne peux pas. Ben oui, un peu, quoi. Enfin, pour moi, c'est peu. Ocelot got the details of the meeting out of that commander. It seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. Ok, donc c'est là que ça devient de la merde. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death. So I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's mother base menu. Ok, donc maintenant on a l'équipe médicale, il ne nous manquera plus qu'une unité, je crois, et ça sera bon. Soldat d'élite à plus, mon gars. Plus un spécialiste radar. Et un A, et alors lui il sera bien quand on aura la dernière équipe. L'équipe d'attaque, je suppose. Enfin, quelque chose du genre. Il y a encore des autres A. Quoi ? Moult B. Moult C. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas capturer autant de gens en fait.